Bonjour, je suis Nootnoot et suis actuellement accompagné de Kawa. Salut Kawa! Salut à tous! Nous allons aujourd'hui vous présenter For the King. Il s'agit d'un RPG développé par Iron Oak Games. Il est disponible sur Steam, il est en Early Access. Notons aussi qu'il est régulièrement mis à jour pour notre plus grand plaisir. La mise à jour du 29 juin vous permet de passer le jeu en français, qui était jusqu'alors en anglais. Nous voilà sur l'écran principal, somme toute assez classique. L'onglet aventure vous propose de jouer en solo ou en coopération. L'onglet suivant concerne les lores. Il s'agit d'une monnaie que l'on obtient en jeu et qui nous permet de débloquer des classes, des items ou des lieux. Pour ne rien vous cacher, les éléments débloqués sont très utiles car le jeu est assez difficile. Cela est tout à fait assumé par les développeurs qui nous avertissent lorsque l'on lance le jeu. Une fois le niveau choisi et la partie lancée, on atterrit sur l'écran de choix de personnage. Quelques éléments de personnalisation sont à notre disposition, couleur de peau, de vêtements, de chevelure, mais aussi le nom et le plus important, la classe. Différentes classes sont proposées, celles-ci se distinguent par leurs statistiques, compétences ou stuff de départ. Une fois en jeu, l'interface se découpe comme ceci. Vous avez en bas de l'écran vos trois personnages, leur nom, leur barre de vie, leur barre d'expérience et leur niveau, leur résistance physique en bleu, magique en violet et leur chance d'esquiver en vert. Vous avez leur puissance d'attaque, qu'elle soit physique en blanc ou magique en violet. Leurs différentes statistiques, que vous pouvez afficher ou cacher en appuyant sur ce petit bouton-là. Vous avez la ceinture d'équipement, qui vous permet d'utiliser des consommables. Le lore de votre personnage et le bouton pour afficher ou cacher l'inventaire. Ces petits points jaunes représentent le focus, un sujet qu'on abordera pendant les combats. Et cet emplacement-là est réservé aux totems ou aux sanctuaires que l'on trouve dans le monde et qui lui permettent d'avoir un boost sur différentes statistiques ou autres. En haut de l'écran, vous avez la barre avec le menu options, un bouton qui est pour le moment inutilisé, donc à voir plus tard si les développeurs en font quelque chose. Vous avez la timeline qui représente l'évolution de vos personnages dans le temps avec un système jour et nuit. Des points de chaos qui vont apparaître régulièrement, que vous pourrez faire disparaître et qui vont s'accumuler rendant le jeu plus difficile. Vous avez aussi le nombre de vies de vos personnages. Une fois qu'un personnage meurt, une vie s'enlève, vous pourrez en regagner aussi dans le jeu. Si toutes vos vies disparaissent, l'aventure est terminée. Vous pouvez activer ou désactiver dans les options la fin du tour automatique. Si vous l'avez désactivé, vous finissez votre tour en appuyant sur ce petit sablier. Ici se trouve la quête principale avec les objectifs listés au cours de l'aventure. Enchaînons ensuite avec le gameplay. Au début de chaque tour, une fenêtre s'affiche pour déterminer vos points de mouvement. Vous évoluez sur une map constituée de différents biomes, laquelle est recouverte d'un épais brouillard. Celui-ci se disperse lorsque vous avancez au travers de la map. Lorsque vous engagez le combat avec un ennemi, différentes options se proposent à vous. Le combat classique, l'embuscade, qui vous permet de prendre à partie un seul ennemi et de prendre l'initiative, le sneak, pour passer sans engager le combat, et la retraite, pour évidemment éviter le combat. Le système de combat s'opère avec un tour par tour. Les attaques que vous avez sont déterminées par votre arme. Le plus rapide, évidemment, commence en premier. On distingue deux types d'attaques. Les attaques physiques en blanche, les attaques magiques en violette. On retrouve les stratégies classiques du tour par tour. Vos attaques ont un taux de réussite qui dépend de vos statistiques, c'est-à-dire qu'elles sont soumises à un jeu tête dé. Plus votre statistique est élevée, plus les chances de réussite sont élevées. Cependant, dans certains cas de figure, une attaque parfaite doit être réalisée. Dans ce cas de figure, vous utiliserez votre focus afin d'augmenter vos chances de réussite. À la fin du combat, vous partagez le loot et récoltez des XP et de l'or. Lors de vos déplacements, certains événements se réalisent. Lors de ces événements, vous pouvez aussi utiliser votre focus afin de maximiser vos chances de réussite. Nous aborderons des éléments plus précis du gameplay dans le prochain épisode. Celui-ci est terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était notre première,
alors faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, portez-vous bien et à lundi.